Bonjour et bienvenue sur Recifa News, nous sommes sur Interzoo 2018 et on va vous parler d'éclairage LED sur le stand ZooMed avec Marie-Hélène. Salut Marie-Hélène. Bonjour Sébastien, comment vas-tu? Alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais des super nouveaux produits à nous montrer. Oui, j'ai des nouveautés concernant l'éclairage pour les aquariums. Alors ce qui est nouveau, c'est que vous avez un son que vous pouvez choisir ou carrément coupé si vous n'en avez pas envie. Mais vous pouvez choisir des sons différents. Alors, on a deux types de modèles que je vais vous détailler plus tard. Mais vous pouvez avoir des sons qui reproduisent l'effet des vagues. Vous pouvez avoir reproduire le son d'un orage. Vous pouvez reproduire le son d'une une soirée tropicale et la pluie, une tempête. Donc voilà, vous pouvez choisir les sons que vous voulez. Vous pouvez régler le son, bien entendu. Vous pouvez également y adjoindre une enceinte si vous estimez que si vous voulez l'entendre un petit peu mieux. Et l'intérêt aussi, c'est que vous pouvez choisir les températures de couleur que vous allez utiliser avec vos rampes. Donc on a deux modèles. Un modèle de base qui va vous permettre d'éclairer plus ou moins d'augmenter ou de baisser l'intensité lumineuse. En fait, vous avez une télécommande toute simple, c'est une télécommande avec en plus, moins, c'est... C'est une télécommande filaire. Voilà, filaire. Avec plus, moins pour l'éclairage et pour le son. Et donc, vous pouvez choisir le type de son que vous allez avoir et vous allez pouvoir choisir l'intensité lumineuse. Ça existe en quatre tailles, donc de 45 cm à 1,20 m. Et chaque fois, c'est ajustable. Et c'est facile à poser. Alors, autre point, c'est que on a là, vous pouvez pas le voir, mais nous, on est. L'avantage, c'est de pouvoir toucher le produit. Ça chauffe pas. Donc, ça ne chauffe pas. Tout le housing est en aluminium derrière et ça ne chauffe pas. Et il y a une autre protection thermique par dessus. Donc c'est pour ça que c'est un produit qui est intéressant. Donc on va vous le tester, on va vous le montrer très prochainement. Marie-Hélène parlait de son d'ambiance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce produit, pour moi, ne va pas au hardcore au niveau de l'aquarium, mais c'est un produit déco entre guillemets, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avoir un aquarium qui va être au milieu du salon, qui a envie de donner une certaine ambiance entre guillemets à la pièce avec des effets lumineux un peu comme l'Ambilight de Philips, on peut dire, si tu me permets de les citer. Oui, y a pas de problème. Mais ça participe à l'expérience de l'aquarium dans la maison, dans le home. Et puis après, ce sont des bruits qui sont assez relaxants, enfin des sons qui sont assez relaxants, c'est pas des bruits. Oui, parce que bruit, c'est pas relaxant. Voilà, tout à fait. Donc ce sont des sons qui sont relaxants. Donc si on a envie de se mettre dans le salon, bouquiner un petit peu et se donner une petite ambiance pour se relaxer, c'est un petit peu les mêmes types de sons que l'on entend quand on va chez l'esthéticienne pour un petit nettoyage de peau, histoire de se détendre. Question super importante, ce serait disponible à partir de quand? Alors, sans doute à l'automne. À l'automne? Oui, pas avant, parce qu'effectivement, on va voir un petit peu... on va tester un petit peu le marché avant. Hein, c'est pour ça la raison pour laquelle on le présente. On le lance aux États-Unis déjà présent. Donc on commence à avoir pas mal de retours positifs. Après, il faut voir si ça correspond aussi au marché européen. Donc il y a des innovations comme cet effet sonore. Après, il y a tout le côté éclairage. Il y a pas mal de choses qu'il faut qu'on creuse par rapport au marché européen avant de le proposer correctement. Tu as une idée de prix sur le marché américain? Parce que je sais que sur le marché européen, ça sera un peu différent, mais ça va donner une tendance. Ça oscille entre 80$ et 150$. Donc, en euros, ce serait entre 60 et 160, on va dire. Ouais, 160€, quoi, grosso okay. modo. Le 1,20 m. En gros. D'accord. Après, bon, ça, il faut la revoir. Mais il n'y aura pas énormément de différence, je pense. Hein. Juste une conversion entre l'euro et le dollar. Toujours, le plicht, c'est important. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on a un modèle un peu plus élaboré qui, lui, a l'intérêt de fournir également des UVA. Donc, il a un spectre beaucoup plus complet.
Et pas uniquement au niveau des UVA, mais également sur la longueur d'onde qui est proposée. Alors, de 380 nanomètres à 680 nanomètres. Donc ça, c'est des choses qu'on vous a déjà expliquées sur le CIFA News. L'intérêt, c'est de pouvoir toucher la croissance complète d'un spectre, par exemple pour les plantes ou les coraux. Et en plus, l'intensité de ce qui est fourni est beaucoup plus intense que ce que vous allez avoir sur le modèle de base, ce qui est un petit peu logique. Normal. Et c'est également fourni avec une télécommande. Donc comme ça, vous pouvez vous relaxer sans vous lever même. Donc vous pouvez même créer votre propre type de lumière en augmentant les rouges, les verts, les bleus, les blancs ou les UV. Vous pouvez également associer une température de couleur à un son, faire vos propres pré-programmes. Ou alors, selon l'humeur, aujourd'hui j'ai envie d'un coucher de soleil, mais avec un son d'orage ou avec un son de pluie, on peut aussi le faire. Donc voilà. Donc ça, c'est assez intéressant et donc c'est programmable, bien entendu. Et les petits numéros sont ici pour programmer donc les temps d'allumage et d'éclairage et des sections de la rampe. Voilà, c'est pour le moment. Il y a un transformateur, bien entendu, puisqu'on est quand même sur de la LED. Voilà, c'est ce qui va arriver bientôt. Ce sera aussi disponible entre 45 cm et 1,20 m. Et chaque fois, c'est un petit peu ajustable pour, en fonction du type de bac que vous allez avoir. Comme ça, vous pouvez l'adapter parfaitement aux dimensions. Merci pour cette nouveauté. À très bientôt, Marie-Hélène. Donc, vous découvrirez ça bientôt sur Recifa News et Aqua News selon les versions qu'on aura à disposition. Et à très bientôt pour les prochaines vidéos d'Interzoo 2018.